Non, Jean-Mi, non. Les âmes en partant, ça n'a jamais été au couloir B, ça a toujours été au couloir J, enfin. En même temps, si tu passais un peu moins de temps sur Skeleton Saga pendant les réunions aussi, excuse-moi. Oui, monsieur Dumas, oui, oui. On est en excédent. Bah oui, bah c'est bien, non? Ah non, non, c'est pas bien, d'accord. Ah, bah oui, il y a trop d'âmes. Je croyais que c'était bien d'être en excédent pour une entreprise, non? Non, c'est pas bien. Ah, bon, bah écoutez, oui, oui, promis, j'en parlerai au PDG. Oui, oui, vous inquiétez pas, je vais lui dire, Oui, c'est ça, au revoir, monsieur Dumas. Ah, ah, vous êtes là, salut à tous. Bon, là, c'est un petit peu la panique, hein. Je suis désolée, dans l'entreprise, c'est un peu compliqué. On a un petit souci d'âme, mais bon. Oh, puis vous savez quoi, ça commence à me gonfler. Allez, on va aller donner un coup de main au patron un peu, tout ça, parce que là, commence à faire chier. Allez, on y va. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, on va aller donc sur le terrain, on va aller finir un coup de main au patron. Je vais vous faire un petit topo, hein, vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu de ma faux, moi? Bon, le temps que je retrouve ma faux, je vous fais le petit brief et on se retrouve là-bas. Ça marche? Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai retrouvé ma faux, donc on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Quand je vous disais que c'était la panique. Alors, voyons voir. Hello.
Allez, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sport. Donc là, évidemment, c'est le tutoriel. J'aime beaucoup ce petit... ce genre de graphisme très burtonien. Donc voilà, les fatalities. Et la petite récompense qui va bien. Ah oui, alors il m'inflige des blessures pour que je pour me montrer comment soigner, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors. Même lui, ça le saoule le tuto. Alors attention, maintenant c'est pour de vrai. Vous allez très vite vous apercevoir que je suis une bille, hein, attention. C'est pas un genre que j'ai l'habitude de pratiquer, mais bon, au bout d'un moment... Alors évidemment, comme dans tout roguelike, ce sont des niveaux procédés. Des nouveaux générés procéduralement qui changent à chaque fois. Bon, après c'est toujours très linéaire, on va dire, mais c'est pas ça l'intérêt du jeu. En fait, l'intérêt du jeu, c'est son ambiance, c'est le fait que le système de combat est très nerveux. Ça, c'est un très bon point. Les commandes répondent extrêmement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Quand je vous dis que je suis une bille. Ah, j'aime pas les gros, moi. Les gros, ils sont super durs à battre. On va commencer par en haut, hein. Mais parce qu'en plus, il faut les battre deux fois. Sinon, c'est pas drôle, hein. Ça commence, premier burn-out. Juste après le tuto, ça va être sympa. Alors donc, comme je vous le disais, après chaque burn-out, on reprend dans le bureau du boss. Très, très sombre, très glauque, hein. On comprend pourquoi il a fini en dépression, le pauvre. On récupère... son pitbook à chaque fois, donc le livre des âmes, hein.
trop pipou, c'est trop mignon. Donc ça, c'est notre petite secrétaire. Et ça, c'est tout ce qu'on a débloqué. Donc un peu à la manière d'un Dead Cells, le but va être de remplir toutes les petites alcôves. Voilà. Alors ici, on a Régis. Lui, je crois qu'il a trop abusé du café, hein, il me semble. Voilà, et on a plein de... d'armes, voilà, à acheter. Sachant que, en fait, les petites indications tuer, 20, tuer 50 ennemis, par exemple, permet de faire baisser le prix. Et de les avoir pour rien, en fait. Donc là, en l'occurrence, bon, je vais attendre encore un peu, je vais peut-être même l'avoir pour quasiment rien. Et en fait, ça fait baisser le prix des armes et ça permet de les avoir... bah pour pas grand chose au final. Parce qu'il y en a qui valent vraiment très très cher. Voilà. Après vous avez les snacks. Alors là les snacks c'est des altérations temporaires, on va dire. Qui permettent de faciliter un petit peu le jeu. Parce que bon, faut quand même vous avouer que le jeu est un petit peu ardu. Ouais, allez, on va lui acheter Laurentia, tant pis. Voilà. Donc ça veut dire que aléatoirement dans les niveaux, je vais pouvoir récupérer cette arme et pouvoir m'en servir. J'adore la direction artistique et la musique qui va avec. La petite musique d'ascenseur avec le boss qui prend son café pendant qu'il monte dans les étages, c'est assez génial. En plus, les textes sont bourrés d'humour, c'est génial. Ah. Ah ah. Alors, il faut vous dire que j'ai un petit peu avancé dans le jeu, même si j'ai encore beaucoup de mal à progresser. Et le fameux Marcel, en fait, était un ancien conducteur de camion d'une émission de vulgarisation scientifique à la télé. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu ça sur sa fiche bio. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de références françaises, parce que le studio qui a créé ce jeu est Montpellier, hein. Et j'avoue que l'humour me parle particulièrement. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de rigoler pendant que je jouais. Alors, c'est un accès anticipé, mais je vous conseille sincèrement, même si le jeu n'est pas complet, de... comment dire... de vous le procurer déjà, même s'il n'est pas fini, parce que techniquement, vous le voyez, il est extrêmement solide pour un jeu qui est en accès anticipé. Alors, c'est pas évident de jouer et de vous parler en même temps, parce que c'est quand même un jeu assez compliqué. Surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude de ce genre de jeu à la base. Alors, les niveaux sont générés aléatoirement, et aussi les étages. Parce qu'en fait, les niveaux s'enchaînent pas toujours de la même façon, et on n'a pas toujours les mêmes propositions de services à visiter, en fait. Donc là, après, il faut voir ce qu'on cherche. Stock d'équipement, quand on va dans ce service-là, on a plus de chances de trouver des armes différentes. Le service Vitamania, en général, c'est plus pour récupérer de la vie. Étage hasardeux, c'est un étage au hasard, on sait pas sur lequel on va tomber. Bah là, on va aller voir pour les armes, tiens, parce que là, au niveau vie, je suis pas trop mal. Sachant que, vous avez vu, vous avez des petits points en haut qui montrent votre progression. L'étage rouge, c'est le premier cadre supérieur qui fait n'importe quoi, le premier fléau, à savoir Brad, qu'il va falloir battre. Alors là, j'ai récupéré une petite boule bleue qui s'est affichée en haut de ma faux.
en haut à gauche. Et si j'appuie sur LB, en fait, elle va me redonner toute la vie qui est en grisé. Enfin, quasiment toute la vie qui est en grisé. Au début de la... Au début de la mise en ligne du jeu, c'était plus compliqué parce qu'il donnait beaucoup moins de vie les ennemis donnaient très peu de vie et il y avait très peu de moyens de récupérer. Voilà. Voilà. Donc il faut essayer de survivre comme on peut. Ceux qui lancent des projectiles sont les pires. Alors les petites âmes que vous voyez là s'appellent des Soulari. Vous voyez, vous avez un petit décompte en haut à droite. Alors celle-là doit y avoir un bug parce que j'arrive pas à la récupérer. Vous avez un petit décompte en haut à droite et en fait ça vous permet d'acheter un peu tout ce que vous voulez dans le jeu. En dessous vous avez une espèce de losange. Ça c'est un prismium et c'est ce qui permet aussi d'augmenter les armes et d'avoir plus de choses qu'avec des Soulari. Ah, monsieur du Molar. Alors là, en fait, lui, à chaque fois qu'on va le trouver dans un niveau, il va nous proposer un certain nombre de malédictions. Alors, bon, c'est un roguelike, hein, donc forcément, dès qu'on perd, on reprend à zéro. Voilà. Donc, le but étant d'aller le plus loin possible sans perdre. Alors là, qu'est-ce qu'on a à polir ? Inflige des dégâts bonus en changeant d'arme au milieu d'un combo, mais j'ai qu'une arme, donc pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Chaque stèle vous octroie un soin pur de 10 PV quand vous en détruisez une. Ah, ça peut être intéressant. Et ça, c'est quoi ? Riposte, effet déclenché à chaque attaque subie. Ça c'est pas mal parce que du coup à chaque fois qu'on se fait taper, il y a une répercussion derrière. Je pense que je vais prendre celle-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu les menus. Vous avez donc l'arbre des malédictions. Donc là, moi, j'ai ma malédiction Thanatologue, qui se trouve ici, et qui génère 30 de mana. En fait, elles vont s'additionner au fur et à mesure que je vais les débloquer. Après, vous avez Local Technique. En fait, à un moment, vous allez arriver dans le jeu sur un étage qui s'appelle Local Technique, où vous allez tomber sur un chaudron qui vous permettra, en fait, d'upgrader vos armes. Je pensais, au début... faussement que les upgrades étaient permanents, et non, en fait, on les perd à chaque fois, en fait, donc ça coûte très cher, et en fait, on les perd à chaque fois qu'on meurt, en fait, qu'on fait un burn-out. Donc c'est un petit peu frustrant, mais rien de bien méchant, parce qu'en fait, j'enchaîne les niveaux, même sans avancer très loin, et ça ne me pose pas de problème du tout. Là, vous avez la carte du niveau que vous avez visité. Voilà, donc vous avez toute la carte de ce que vous avez déjà visité dans le niveau, donc vous voyez que c'est quand même assez, comment dire, horizontal, on va dire. Là, c'est vrai que on est descendu, mais ça va rester dans de l'horizontal. Là, vous avez donc le didacticiel avec toutes les petites, comment dire. Les petites actions effectuées. Hop, je me suis trompée. C'est pas ce que je voulais faire. Non, mais ça m'arrive. Hein. Je joue à la manette parce que je suis incapable de jouer complètement au clavier. Donc, j'ai un peu de mal. Voilà. Et vous avez aussi des petits biographies, des méchants. Et accessoirement, des employés. Et c'est là que c'est assez rigolo parce qu'en fait, chaque petite
comment chaque petite biographie est toujours assez rigolote à lire. Par exemple, Régis, qui est un régisseur. Oui, c'est très logique. Et voilà ce qui arrive quand on abuse du café noir. À force d'en demander un café de plus en plus serré, Régis s'est étranglé avec un canard. Voilà, non pas l'animal, mais le sucre qu'il avait pour rituel de tremper dans chacun de ses petits kawa pour se mettre en jambe. Incapable de poser son regard sur quelque chose pendant plus d'une seconde, il a confondu le sucre habituel avec un bouillon cube périmé depuis 3 ans. Voilà, ça me... Et c'est que des trucs comme ça pendant tout le... Pendant tous les dialogues sont savoureux, toutes les petits textes, c'est super bien pensé. Et franchement, ça apporte beaucoup à l'ambiance aussi de ce jeu. Enfin, pour moi, il était vraiment fait pour ça, quoi. C'était vraiment un truc qui m'a beaucoup plu dans ce jeu. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos employés. Ok, alors, on est où ? Voilà. Oui, vous voyez, j'ai un peu tendance à... Voilà. Lui, c'est comme ça que je le bats parce que... Ah. Parce que puis, il va falloir que je fasse gaffe, là. Et la vie descend extrêmement vite, donc faut faire très très attention. Après, je pense que... Ah, une nouvelle arme, c'est bien ça. Après, je pense que pour quelqu'un de plus habitué que moi au roguelike, ça ne poserait pas plus de problèmes que ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude. Donc bah forcément, je joue très très mal là. Alors là, du coup, on a toujours l'étage au hasard. On a le dépôt de Soulary, donc là, c'est pour récupérer un max de monnaie. Et le bureau RH de Anton Dumollar qui permettra de récupérer encore des malédictions. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir le dépôt de Soulary, j'ai envie de récupérer. Parce que si je peux passer par le magasin avant d'aller voir Brad, ça peut peut-être être pas mal. Sachant que souvent, je me fais laminer par Brad. Hein, je ne l'ai encore jamais passé. C'est un peu honteux, je dois le reconnaître, mais bon... Et voyez, malgré tout, je pensais que c'était le genre de jeu auquel je ne m'essayais pas parce que j'avais très peur que ça... J'avais très 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 peur que ça me frustre tellement que je serais incapable de continuer. Et pourtant... Pourtant, je m'accroche. Je m'accroche. Un deuxième burn-out, c'est magnifique. Ah, il faut savoir aussi que les dialogues s'adaptent par rapport à ce que vous avez fait. Donc quand vous faites plusieurs fois tanner par Brad, déjà lui, quand vous allez arriver devant lui, à chaque fois, il va en rajouter une couche. Et puis en plus, dans l'entreprise, il y a plein de gens qui vont venir vous parler en vous disant « Bah alors, patron, vous êtes rouillé ? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, donc ça a beaucoup... Ah oui, donc là, vous voyez, vous avez le puits des âmes avec les petites étoiles. Voilà. Alors, j'ai pas assez pour m'acheter une nouvelle arme. Donc, pour l'instant... Qu'est-ce qui se dit ?
Finalement, c'est pas le patron qui aurait dû reprendre la main, c'est Arlette, hein. Je fouille toujours partout à la recherche de secrets, on sait jamais des fois qu'il y en est, mais... Bon, il y en a pas toujours, hein. Ah, les cafés noirs, ça permet de redonner de la vie tout de suite. Le problème, c'est que souvent, ils te les donnent dans le premier niveau, là où t'as pas encore perdu de vie. Et du coup, bah, ça sert pas trop à grand chose. Oui, donc oui, je joue à la manette, hein, parce que j'ai essayé au clavier, là, pour le coup, c'était clairement pas la peine pour moi. J'ai encore pas mal, je suis allée au stock d'équipement, allez. Donc vous voyez, ça change, tous les niveaux changent de structure, de configuration, et à la fin, quand on arrive à l'ascenseur, bah, les étages qu'on peut visiter changent également, donc... Il y a quand même un choix assez sympa de... Tiens, c'est la première fois que je trouve quelque chose en revenant en arrière. Oh, café. Mais le problème, c'est que ça redonne tout de suite de l'énergie. Et que moi, j'avais pas perdu d'énergie. J'avoue, c'est un petit peu mal dispatché parfois le... la vie, en fait. Mais bon, je ne me lasse absolument pas de parcourir les niveaux de Death Inc. Ah, il y a quelque chose en bas là. Ah, alors ça permet de rajouter du mana. Donc ça nous permet d'avoir plus de malédictions à lancer ou de pouvoir faire plus de critiques avec notre faux. Alors, il y a souvent des moments comme ça. Hop, et là. Alors, moi qui suis un peu... Oui, toujours celui en haut, hein, il veut pas. Moi qui suis un peu du genre à foncer dans le tas, j'avoue que j'ai un peu revu ma copie depuis que je joue à Have a Nice Death, parce que c'est souvent pas le bon plan en fait de faire ça. Alors, vous avez les tanagers aussi, vous avez les dépôts de Soulari. Alors, je vous avoue que le manager, on n'ira pas le voir parce que bah, j'ai du mal à le passer. Et si je veux vous emmener jusqu'à Brad et essayer de le battre, j'aimerais garder le plus de vie possible. J'avoue que je fais un choix assez stratégique. Je l'ai déjà battu plusieurs fois, le manager, mais j'ai pas encore... En général, il me baisse bien ma jauge de vie et c'est un peu compliqué après. Ils font mal, eux. Oh, ils font mal, eux. J'aime pas ces gros-là parce que... Ah, en fait, j'aime mieux venir. Ah oui. Thank you.
Alors moi qui aime bien toujours tout explorer, c'est vrai que je vais un peu partout. Ah ah, une petite malédiction. Cape de divinité. Oh oh, je te bannis. Déclenche un effet en tuant un ennemi. Ah, c'est bien ça. On va prendre celui-là, allez. Tac. Alors, magasin ou dépôt de preuves? Bah, je vais vous emmener voir le magasin quand même. Allez. Voilà le fameux Marcel. Alors, donc chaque chose vaut un certain nombre de... un certain nombre de soulari. Et pour débloquer un emplacement supplémentaire, par contre, ce qui est déjà en stock va disparaître. Donc si vous voulez acheter quelque chose de ce qui est déjà présenté, il va falloir le faire avant. Parce que si vous débloquez un emplacement supplémentaire, ça va changer tous les articles proposés. Je me suis fait avoir une fois et c'était un peu... Allez, on va se remettre un peu de vie. Parfait. Et alors là, maintenant, c'est ce que je voulais vous montrer. Je suis assez contente de voir ce cher Marcel. Parce que ce cher Marcel, voilà le fameux conducteur de food truck, gérant du snack d'entreprise, qui travaillait de son vivant dans une sympathique émission de télé de vulgarisation scientifique. Voilà, et alors ça... Je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire, n'est-ce pas, chauffe Marcel ? Ça m'a fait beaucoup rire. Souvent, pour l'avant-dernier étage, on n'a pas trop le choix. Alors. Ah oui ! Alors, faut savoir qu'avant, je revenais systématiquement en arrière et qu'il n'y avait jamais rien. Là, ça fait quelques temps, ils ont dû faire une mise à jour, les développeurs. Parce qu'il y a des petites surprises quand on revient en arrière. Et c'est très agréable. Oh putain. Voilà. Hop et là. Ah ah! Eh bah, ça augmente la jauge de mana, hein. Elle est bien cette petite malédiction là qui me permet de... qui me permet à chaque fois que je tue un ennemi d'envoyer... des... Je me suis retrouvée coincée... Ah ah! Bon.
J'aimerais bien en retrouver un autre de plus avant d'aller voir Brad, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Nous voilà arrivés au premier boss. Mais je vais toujours voir s'il n'y a pas quelque chose derrière, j'aime bien. J'adore les dialogues. Alors, il est un peu... J'ai bien failli battre cette fois-ci. Voilà, et suivant en fait les stats qu'on a fait pendant sa partie, on gagne plus ou moins de lingots, ce qui nous permet de débloquer des nouvelles armes, et ainsi de suite. Par contre, là, vous allez voir, je me retrouve à mon bureau. Et là, par contre, j'ai plus aucun Soulari, aucun Prismium. Bon, j'en avais pas déjà, de base. Mais si on va voir les malédictions et autres... Si on va voir les malédictions, j'en ai plus. Bon, j'avais pas augmenté ma faux, mais si je l'avais fait, de toute façon, elle serait restée pareille. Voilà, je n'ai plus rien. C'est bien, elle est un peu vendue, la petite secrétaire, quand même. Donc j'ai débloqué 2-3 petites choses, voilà, mais bon, encore rien de bien passionnant. La seule chose en fait qui ne change pas, c'est ce que j'ai acheté en fait. Voilà, ça je l'ai déjà acheté, donc bah, ça ne change pas. Et en fait au fur et à mesure que j'accumule des lingots, je peux acheter, là par exemple, je peux acheter la clé mort, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez bien compris en fait, Have a Nice Death, bah, c'est un super jeu où vous allez mourir beaucoup, ou enfin vous allez faire beaucoup de burn-out, où vous allez beaucoup recommencer du bureau du patron. C'est un jeu en accès anticipé disponible via Steam, mais franchement à 14,99€ ça les vaut bien. Les développeurs ont promis, ont fait une feuille de route qui est assez complète. Ils ont promis des grosses mises à jour et au final le jeu tel qu'il est là sera doublé. Dans sa version finale. Donc ça vaut vraiment le coup, l'ambiance est top. Vraiment, moi je vous conseille de vous y jeter et d'empoigner la faux pour aller aider Death Inc. à remettre ses employés sur les rails. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas que on ne meurt qu'une fois, hein, donc n'hésitez pas à aller jouer à Have a Nice Death. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.